On a vu qu'on pouvait être très proche des leaders, qu'on avait même la vitesse pour faire le podium au Vosgien. Donc voilà, on veut essayer de partir avec la même approche. Un bon feeling dès le début. Après, on va pas brûler les étapes, mais on est venu ici pour découvrir cette Skoda et puis faire le point pendant la pause et partir sur un bon rythme au Mont Blanc. Ça serait bien de continuer sur notre lancée ici en Aveyron. C'est toujours un rallye très, très délicat, très difficile à négocier, donc on va essayer de s'appliquer, de faire une belle course. Effectivement, on a changé pas mal de trucs sur la voiture, notamment au niveau des setups et plusieurs choses, donc on va voir si on va dans la bonne direction, je pense, mais si c'est suffisant. Il faudra encore bosser dur pendant le week-end. Après le résultat des Vosges, on a envie de faire mieux, hein, de ne pas passer loin de la victoire. Donc voilà, clairement, on aimerait beaucoup performer ici et l'emporter, hein, sur Johan. Ferme 140 à fond, 80 mètres, hein. Gauche 140 plus tard, bref, pas corps des 40 mètres, droite 143 moins fin, sur gauche 110, bon rasé relance. Et un bon mitard pas corde, pour droite 150, en train de tenir pour gauche 100 plus étroit. Gauche 100 plus étroit. Ralenti. Turbo gauche 140 à pompe à corde. Moins corde. Sur gauche 146, fini frein, à droite 120 plus fini. Gauche 140 moins, à fond, mini rasoir. Sur droite à fond, mini 80. On a fait des bonnes recos, mais on a un peu peut-être l'handicap du manque de connaissance du terrain. Ma dernière apparition, c'était 2013 en course. C'est vrai qu'on est malmené, malgré tout on a eu deux victoires, lui en a eu deux. Donc on va continuer notre bagarre, c'est en toute simplicité, donc c'est vraiment génial, ça se passe vraiment bien entre nous.